Un conte de Cendrillon, voilà comment Esteban Becker a décrit le succès de son équipe. Actu Cannes, bienvenue. Sort heureux pour le pays hôte. Après avoir formé une équipe en 11 jours, les Équato-Guinéens sortent le géant gabonais au pied d'argile du tournoi. Score final 2-0. Une histoire invraisemblable alors que les Pontais n'avaient besoin que d'un match nul. We start the second half and something changed. Avec tout le respect que j'ai pour la Guinée, s'ils n'avaient pas marqué ce penalty, ils n'auraient jamais marqué. Et nous serions devant vous heureux. Ce penalty était imaginaire. C'est une erreur qui nous a coûté le match. Comme en 2012, la modeste formation de la Guinée équatoriale réalise un exploit après deux matchs nuls et atteint les quarts de finale. Ce soir, nous allons fêter cette qualification avec nos fans et dès demain, nous allons commencer à penser au prochain match. On ne sait pas encore qui sera notre adversaire, mais de toutes les façons, on sait que ça sera un adversaire très fort. On doit renforcer nos capacités pour que ce match se passe comme les trois premiers ici. Autre exploit de la soirée, la qualification des Diables Rouges. 23 ans qu'ils n'avaient plus atteint ce stade de la compétition. Les hommes de Claude Leroy dominent les étalons 2-1. Les super favoris du groupe A, Burkinabé et Gabonais, sont rentrés dans leur caverne. Les prochains adversaires du Congo et de la Guinée équatoriale sortiront de la poule B, Cap-Vert, Zambie et RDC, Tunisie. De grosses surprises vous attendent, amoureux du foot. À très vite dans ActuCannes.